Pascal, auriez-vous fait les mêmes choix que Didier Deschamps pour la liste des 23? Oui. Est-on suffisamment armé pour gagner la Coupe du Monde avec cette équipe? Oui. Vicente, on va la gagner, cette Coupe du Monde, avec cette équipe? On peut la gagner. Non, c'est oui, non. Non, mais je peux pas te dire oui, on va la gagner. Non, je peux pas. Toujours. Te dire. Tous les dimanches. Je fais la même chose. On n'en peut plus. Toujours à pinailler. Huez-le. Tes questions, ça m'énerve. Des oui, non, ça m'énerve. J'ai déjà dit que la vie, c'est pas juste. Et on n'a pas le droit de se retourner, Bichente. Il se met en défense, t'as vu ou pas? Pascal, ouais. Si Didier vous propose un poste, Didier Deschamps vous propose un poste dans son staff, vous foncez? Non. Vous allez soutenir aussi Hervé Renard, le coach du Maroc, pendant la Coupe du Monde? Tant qu'il ne joue pas contre la France, oui. Bichente, vous trouvez logique que Didier Deschamps ne sélectionne pas Adrien Rabiot? Oui. Pascal, bah voilà. On est clair. Bravo. C'est le premier oui. C'est passé comme ça, je dirais. Il a mis 2 ans à comprendre le concept. Ça fait 2 ans qu'on attend. Frustration de pas pouvoir expliquer. Mais il s'est retourné. Je me suis forcé à dire. C'est très bien, c'est très bien. Pascal, Wissam Ben Yedder, votre ancien protégé, est-ce qu'il méritait d'aller en Russie selon vous? Oui. Vous aimeriez coacher Toulouse là pour les 2 matchs de barrage à venir? Non. Est-ce qu'on vous reverra entraîner en Ligue 1 un jour? Oui. Alors, vous qui avez côtoyé beaucoup de supporters de Marseille, lorsque vous étiez coach de Toulouse, vous pensez que l'OM méritait de se qualifier pour la Champions League? Non. Vicente, sans la Ligue Europa, est-ce que l'OM aurait terminé 3e selon vous? Oui. Au fait, Pascal, c'est un bon choix, Thomas Tuchel, pour le PSG? Oui. Alors, on en parle moins que les autres, mais ce serait pas Jardim, au final, le meilleur coach de notre championnat? Oui. Après la Coupe du Monde, si Nasser vous propose une petite semaine de vacances sur son yacht, vous y allez? C'est à moi que vous posez la question. Oui, oui. Non. Et une semaine de vacances avec Bichente, 150 km de vélo par jour. C'est plus fatigant. Des abdos. Pour faire l'assistance en bagnole derrière lui, oui. Avez-vous menti, messieurs, pendant cet entretien, s'il vous plaît? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Toi, bah, t'as pas répondu comme ça. Merci, messieurs. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine !